Et bonjour à tous, ici Bouffade pour une nouvelle partie de... J'allais dire Pokémon encore une fois, mais non. Aujourd'hui, nous sommes partis dans la forteresse rocheuse, dans Super Luigi Galaxy. Et oui. Aujourd'hui, nous devons faire cette forteresse. L'assaut de la forteresse. Trop de forteresses. Forteresse de forteresse. Et même des forteresses. Ah, il y a un bloc qui vole, je sais pas comment est-ce qu'on l'atteint, mais bon. Est-ce que c'est cette musique qui est bien? Non, c'est pas cette musique qui est bien. Enfin, je dis cette musique, elle est pas bien. Non, elle est bien, cette musique. C'est juste que c'est... C'est un peu moins bien, quand même. Je sais pas. Je préfère quand même les autres... Wow. Je préfère les autres ambiances, personnellement. Eh, hey, me frappez pas, je me fais frapper par des toupies. Beyblade. Malheureusement, je ne suis jamais tombé dans la face. Enfin, non, ça serait faux de dire que j'ai pas acheté de Beyblade. J'en ai eu une. Mais vraiment, c'était la première et c'était la dernière. Parce que bon... Bon, de base, j'aime pas trop les toupies, donc voilà. Non, c'est vraiment Yukio qui m'a bien plus marqué, en fait. Donc voilà. Et vous, de quel team êtes-vous? Est-ce que vous êtes team Yu-Gi-Oh? Est-ce que vous êtes team team fragment d'étoiles? D'ailleurs, faudra que j'aille nourrir l'Huma. Parce que de la faim, il a envie de, je sais pas, une potée ou quelque chose comme ça. Non, on l'a déjà fait de la potée de la dernière fois. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire? Une pizza au fragment d'étoiles? Oh non, je sais! On va lui faire le suprême de fragment d'étoiles. Avec une sauce sucrée. Quand même, dit comme ça, ça a l'air terrible. Plein de fragments d'étoiles, miam miam! Regardez! J'ai pas peur! Je suis Luigi! Je suis Luigi! Rien ne peut m'abattre! Pas même les murs, pas même les fragments d'étoiles, pas même les bombes. Je suis le plus fort de tous les héros. Regardez, même les trous, ça me fait pas peur. Yaha! Ah, bienvenue sur cette planète. Regardez, c'est le retour des Bill Ball, les horribles Bill Ball. Regarde-moi ça, elle a foncé dans le sol. Elle a fait exprès, j'ai tout vu. Elle le fait exprès, elle le fait exprès. Non, là, je l'ai fait exprès parce que comme ça, j'ai la voix de libre. Ok, si tu veux. Non, Luigi, fonce pas dans les murs. Allez. Oh, j'aurais imaginé, le Goomba, il aurait explosé face à la Bill Ball. Ah non, mais quand même, j'espère qu'on aura Goomba dans Mario Tennis Aces. Parce que la dernière fois, je parlais de Birdo et tout ça. Mais franchement, Goomba... Mais mettez Goomba en personnage jouable dans un jeu, quoi. Genre dire c'est l'ennemi le plus récurrent de tous les temps, et il n'a jamais apparu comme personnage jouable. Enfin, fausse idée. Si, il est apparu dans un comme personnage jouable. Dans Mario Tennis... Non, dans Mario Baseball. Mais bon, Mario Baseball, ça fait... Ça fait déjà 10 ans, waouh. Ça rajeunit pas. Je me rappelle trop, à l'époque, je le voulais tellement, ce Mario. Bon, aujourd'hui, je l'ai, je peux le jouer, mais... Mais quand même. Aujourd'hui, nous nous infiltrons dans la forteresse. Forteresse, 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 forteresse. Forteresse, forteresse, forteresse. Quel est le vrai mot? C'est comme avec rhinocéros, rhinophéros. Oh non, mais... Pokémon, Pokémon, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi est-ce que vous appelez les Pokémon comme des vrais animaux? Parce que jusqu'à un certain âge, j'étais sûr que ça se disait... comment ça se dit? Que ça se disait Rhino Féroce. Puis ensuite, ça se... Puis ensuite, j'ai appris que ça s'appelait Rhino... Rhinocéros pour de vrai. C'est terrible. Au secours! Ne t'en fais pas, petit Luma!
Nous allons te sauver. Oh, j'ai bien envie d'aller détruire ça. Il y a quelque chose qui me plaît bien là-dedans. Je veux devenir Super Luigi. Laissez-moi devenir Super Luigi. Ah, vous êtes finis les chompes. Miam miam. J'ai dit miam miam. C'est la fin des chompes. C'est terrible ce que je fais. Ça se fait pas. Faut pas faire ça. Non, il y en a encore. Oh, presque. Toi, t'as de la chance. T'as aussi de la chance d'être mon personnage jouable. Bon, est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil? C'était apparu dans le Nintendo Direct quand même. Mais oui, Chomp est un personnage jouable. Dans Bayonetta. D'ailleurs, Bayonetta, wow. Je viens juste de regarder Luigi, mais il a les pieds dans le sol là, on est d'accord. Tu veux combien? 30. Oh allez, on est gentil. Oh le pauvre Luma. Oh non, je peux pas laisser faire ça. Pauvre Luma. Je vais aller le libérer quand même. On est gentil. Alors tu te transformes en quoi? Pourquoi est-ce que tu t'es transformé en ça? Mais c'est moche. Mais monsieur, mais qu'est-ce qui se passe pas? Il y a quelque chose qui va pas, monsieur. J'ai toujours rêvé de devenir un demi-cercle avec des... avec des déchets dessus. C'est toute ma vie. J'ai toujours rêvé d'être éboueur. Voilà, petit Luma. Voilà, tu es libéré. Vole. Moi, je vole aussi. Mais pas avec toi. Tada. La terrible galaxie avec Manibou. Il n'y a rien dans ici, c'est un sac, c'est une décharge. Mais qui a fait ça? Qui a jeté des objets recyclables d'ici? Dis, si tu me prêtes le nécessaire, tu veux mettre un peu d'or dans le coin? Désolé, je suis occupé. Je compte sur toi. Le mini-jeu terrible. Bon, en vrai, quand on a la technique, ça va. C'est là. Au fond. Ensuite, il en faut une devant. Non. Non, Luigi, ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît. Allez, non. Allez. 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 Mais non. C'est pas gentil. Non, non, non. Faut te remettre plus vite. T'as toujours bien les shiny, alors que t'es toujours plus... Bienvenue pour donner un coup de main. Mais oui, mais... Non, mais la bombe. Ah non, mais c'est terrible. Une bombe met 10 secondes pour exploser, en fait. Du coup, il faut vraiment pas perdre de temps. Bon, après, comme dit, il y a les petits fragments par terre pour nous aider. Dans notre quête. Mais c'est pour ça, faut vraiment pas perdre de temps. Et ici, il y a tout vraiment pour nous faire perdre du temps. Vite! Allez! Explose! Explose, s'il te plaît! Je t'envoie plein de beaux bombes dessus! Oui! Merci, merci! C'est tout propre ici maintenant! Tiens, j'ai trouvé ce truc-là! Je te le donne si tu veux! Tada! Merci! C'est gentil! Merci de m'avoir aidé! Mais de rien. Voilà, Luigi et Boueur, bientôt dans vos... J'allais dire dans vos cartons, mais peut-être pas, mais... Bientôt en salle. La décharge de la forteresse. Encore un truc avec forteresse. Je sens que cette partie, elle va s'appeler forteresse, forteresse. Allez, forteresse rocheuse. Oh, il y a 3 étoiles, dis donc. Il n'y a que deux choses à faire ici. Du coup, nous reprenons là où nous en étions. L'infiltration de la forteresse. Avec pauvre bébé Luma qu'on n'a pas aidé. Si, on l'a aidé, mais il s'est pas envolé. Mais il avait un petit chien pour s'amuser, un petit chien champ.
Il me faut plus de fragments d'étoiles. J'ai un terrible luma gourmand à nourrir. Mais nous n'avons pas que ça à faire. J'allais dire pas que de temps à perdre, mais bon. J'aime bien mélanger tous les mots. Ça fait des phrases super bizarres. Salut. Au secours! Tu vas me sauver comme la dernière fois, hein? Comme le taux de violet que j'ai envoyé dans l'espace. Allez. Tiens. Une petite bombe pour te porter chance. Et je prie devant toi. Je prie devant toi. Merci beaucoup. Le raccourci est par là. Concentration. Oh. Ah, si jamais on a oublié. Tu n'es pas assez rapide. Je suis sûr que tu as oublié comment on joue au jeu. Non! C'est pas gentil d'avoir fait ça. Je veux ça. Palapapalapap. Allez, c'est parti. D'ailleurs, il y a un film qui me parle beaucoup ces derniers temps. Bon, si vous regardez la vidéo peut-être plus tard, vous l'avez peut-être déjà vu et tout ça. Mais c'est un raccourci dans le temps, ça me parle bien en fait. Surtout après la vidéo de... Enfin, après la vidéo de Film Theory. Peut-être pas tellement à cause de ça, mais c'est vrai que bah, j'ai appris l'existence de ce film juste à cause de ça. Et après ça, ça m'a donné envie d'aller le voir en fait. Donc j'irai le voir peut-être, sûrement. Donc peut-être qu'il y aura un avis du film dessus. Enfin, quand j'aurai le temps. Pour l'instant, nous sommes dans Luigi Galaxy, l'infiltration de la forteresse. On est parti. Oh, regardez. C'est comme dans les petits jouets en porte-clés. Oh, mais c'est tellement triste ça. Quand on a des bouboules en carton, j'allais dire, mais pas en carton. Là, les petites boules de... Non, je veux pas qu'il m'explose dessus. Il est terminé. Luigi, qu'est-ce que tu fais? D'ailleurs, en fait, Luigi, j'ai tout vu, il transporte des... Regardez, la texture, là, c'est pas bien fait. Oh, c'est pas gentil de critiquer ça. Allez, bim! Boum! Libérons le luma de sa prison de boules en plastique. Non mais c'est vrai, quand on a des boules en plastique, on a tellement envie de libérer les figurines qui sont dedans, c'est terrible. Allez, boum. Goodbye. Allez, tournoyons. Regardez, Luigi a tout fait exploser. Malotru. Comment oses-tu faire ça, Luigi? Tu vas te rechercher dans toute la galaxie, tu sais. Allez. Nous sommes partis. Squalala. Ouya. Oui. First try. C'est bien. Mais maintenant, la partie difficile. Je veux ça. Oh, je me sens tellement triste pour toutes les personnes qui ont visé à côté et qui du coup sont parties dans l'espace. À tout jamais. Mais voilà, du coup, en fait, c'est déjà la fin de la partie, en fait. Bah voilà, j'espère que cette partie vous aura plu. Beaucoup de forteresses et de forteresses. Mais avant de terminer la partie, on va aller quand même... Wow, Luigi, t'as fait une posture bizarre, j'ai tout vu. On va quand même aller voir le Luma. Luma, Luma, salut. Tu veux mon suprême d'éclat d'étoile avec la sauce sucrée? Oh oui, ça me parle beaucoup! Je veux en manger plein! J'en veux! 400! Ah, 400, je peux! Tada! Bravo! Ça y est! Je suis repu, on y va! Transformation! Magical Girl! Mais ce n'est pas tout de suite que nous aurons te voir, monsieur. Ça sera dans la prochaine partie. Et donc d'ici là, bah, portez-vous bien et salut à tous. Non, Luigi, on a dit dans la prochaine partie.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut monter sur le truc? Ça serait bien. Oh oui, on peut, c'est trop bien. Oh, c'est trop cool. Voilà. Allez, au revoir tout le monde.